fait partie, je suis toujours réanimant ces présidents de l'association Okan Ridim, un mot Yoruba, un mot Jamaïcain patois, qui partage la culture de la danse et créateur du concept Caraïbe Tap, qui mélange le tap dance et claquette avec les rythmiques afro-antillaises ou caribéennes. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous appelons vulgairement la culture urbaine venant des États-Unis, avec un intervenant que je vais laisser se présenter, puisque c'est un intervenant, mais pas des moindres. Ok, donc Yuval, plus grand activiste de France, co-créateur du Vertifight, co-créateur de la Break League, Change the City, organisateur d'événements underground, que ce soit Châtelet-Lac, que ce soit La Défense, que ce soit 104 avec François Gautré, prof d'histoire au CFD de Cergy, de culture hip-hop, et auteur du livre Street Book qui devrait pas trop, bientôt sortir, et puis pas mal d'autres choses, mais bon, je suis speaker aussi, je suis classé numéro 1 mondial, enfin, voilà à peu près. Et je suis danseur aussi. Yes, ça j'aime bien la dernière précision, c'est très important de dire que tu es aussi danseur, ouais, je trouve ça important. Alors, déjà on attend le bouquin avec impatience, et je voudrais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler du contexte social, socio-culturel dans lequel est né ce dont on va parler, c'est-à-dire le b-boying. Ça s'est passé où et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, en très gros. Côté social, politique, culturel, alors en gros c'est très simple, c'est le Bronx, début des années 60, je dirais que le hip-hop est né d'un chômage de masse. Et évidemment, il est né avec toute une histoire qui est liée évidemment aux inégalités entre les Noirs et les Blancs, des problèmes qui sont liés aussi évidemment aux lois Jim Crow pour une époque, ce combat par rapport aux droits civiques, du militantisme, pas par rapport aux gens du pont, mais plutôt ceux qui étaient liés au Black Panthers Party, mais ça a été, si tu veux, un mode de pensée pour ceux qui par la suite ont voulu mettre les pop en avant, notamment The Last Poet et compagnie, qui ont diffusé des messages et qui a donné envie à pas mal de personnes de dire, bah, finalement, il peut y avoir une revendication politisée par rapport à la culture. Même si je pense qu'au départ, c'est pas vraiment ça, mais bon, on va en reparler. Ok, yes, carrément. Bien, bien, on comprend à peu près un petit truc. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme dans chaque émission, je dis toujours, la première chose à laquelle on est confronté quand on arrive vers une danse, c'est son nom, c'est le mot. Alors là, il y a deux termes qui viennent souvent, c'est le terme breakdance et le terme b-boying ou b-girl, d'accord ? Est-ce que tu peux nous parler de ces deux termes ? D'où ils viennent ? Pourquoi ces termes, en fait ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Et s'il y a une vraie différence ou pas, est-ce que tu peux l'expliquer ? En fait, net, il y a beaucoup de différences. Il n'y a pas que deux termes, il y a plusieurs termes. Le premier terme, c'est évidemment b-boy. C'est un terme qui est arrivé en 1974. Au départ, il y a une soirée qui va arriver le 11 août 1973 dans la Rec Room. La Rec Room, si tu veux, c'est la salle de spectacle, la salle des fêtes du 1520 du Parc, c'est du Camnu, tu vois. C'est le lieu où, si tu veux, Cool Herc, tout le monde parle de Cool Herc, mais on oublie parler de sa sœur Cindy, parce que c'était quand même son anniversaire. Donc, ils ont organisé un événement, une soirée qui a commencé à 9h du soir, ça finit à 4h du matin. Mais cette soirée, si tu veux, sur une timeline au niveau de la culture hip-hop, c'est pour les gens. Bon, après, chacun le voit comme mieux. Pour moi, ça n'allait pas du tout. Mais pour les gens, si tu veux, c'est le départ de la base de ce qu'on appelle la culture hip-hop. D'accord ? Okay. Pour eux, il va bien dire que cette fameuse soirée, ça a lancé tout le bordel qui s'en est suivi par la suite. Ensuite, à partir d'un an plus tard, même un an complet plus tard, parce que ça s'est passé en août 1974 dans un club, Herc, il a défini. Déjà, il a trouvé une technique. Parce que moi, je pense pas que Cool Herc était un grand DJ, mais je pense surtout que c'était quelqu'un qui arrive à trouver des galettes pas trop mal et qui a compris à un moment donné ce qui se passait en face de lui. C'est-à-dire que beaucoup de gens dansaient, mais à un moment donné, il y a une effervescence. Il va y avoir un moment spécial dans sa programmation. C'est-à-dire que lui, il met les disques, il met les disques les uns derrière les autres, mais à un moment donné, il va se rendre compte que sur une partie de la musique, ce qu'on appelle le breakbeat, le break de batterie, il va comprendre qu'à un moment donné, la façon de danser, la folie, comment les gens ils s'emparent de ce moment-là, si tu veux, c'est un moment qui pourrait être. C'est genre comme une forme de pogo. Tu vois, quand tu regardes la culture des skins et des punks, quand il y a le pogo, c'est la folie. Tout le monde se dans tous les sens, ça devient la folie.
Eh ben, sur le break, à cette époque-là, là on est en 1974, c'est un moment qui devient important pour eux. Et donc, lui, il veut se distinguer, ou il veut le prolonger, il veut le prolonger parce qu'il crée les Hercule Lords à l'époque, et il se dit, bah, tiens, je vais faire un truc, faut que je trouve un moyen de prolonger ce petit moment de break. Parce que des fois, les moments de break dans la musique, des fois, ils sont tellement courts, et surtout, bah, la plupart des DJ, ils se distinguaient parce qu'il fallait qu'ils trouvent qu'ils trouvent des disques que personne connaissait, avec une petite partie break, et puis à un moment donné, pour essayer de se démarquer par rapport aux autres DJ, parce qu'à cette époque-là, il y a quand même beaucoup de DJ. Il y a DJ Burnout, il y a Grandmaster Flash, il y a Bambata qui arrive en 74, et tu as évidemment Kool Herc. Kool Herc, ça reste quand même le parrain par rapport à la soirée. Et donc, lui, il va vraiment, vraiment se démarquer, parce que c'est lui qui va à un moment donné trouver ce qu'on appelle le merry-go-round, c'est-à-dire le manège, trouver une façon détournée, d'acheter deux mêmes disques, deux platines, et de prolonger le breakbeat. Donc, le break. Et donc, il a défini, à cette époque-là, les gens, ils dansent debout. Ils dansent pas vraiment, vraiment au sol. C'est pour, en fait, si tu veux, c'est. J'appelle ça le break prototype. Hein. C'est-à-dire vraiment le début. Voilà, il n'y a pas vraiment de fondement, il n'y a pas vraiment de fondation. Les gens, c'est juste qu'à ce moment-là, ils tentent des choses un peu plus. Enfin, ça peut être, si tu veux, ils dansent debout, mais à un moment donné, quand il y a le break, ils vont tenter un grand écart, ou ils vont tenter des trucs comme des ciseaux, ou peut-être des Russian Chef, enfin, des petits mouvements qu'on ne pourrait pas vraiment associer, si tu veux, à une danse complète. C'est plutôt, si tu veux, un truc qu'ils vont appeler le break. Mais non pas qu'ils vont appeler ça le break par rapport à la danse, mais surtout le break par rapport à la musique. Ça veut dire qu'il va les appeler B-boy, parce qu'à toutes les personnes qui, à un moment donné, qui dansent debout ou au sol, quand ils vont rentrer, à ce moment-là, au moment donné, il va prolonger le break. Les gens qui vont rentrer dedans, il va les appeler des B-boy, d'accord? Même si tu fais que des mouvements debout, si tu as envie, même si tu ne mets pas un genou au sol. Pour lui, tu as un B-boy à partir du moment où tu danses sur cette partie de la musique. D'accord? Là, tu es en 1974. Ensuite, à partir de 1982, dès les années 80, tu vas avoir toute la génération punk qui va commencer, si tu veux, entre Downtown et Uptown, qui vont commencer à fréquenter les mêmes endroits. Ça commence avec le Négril. Il y avait une autre boîte qui s'appelait le BCBG, un truc comme ça. C'est une boîte où il y avait toute la culture rock et punk. Et si tu veux, tu as des passerelles. Les passerelles, c'est qui? C'est les gens qui, quelque part, représentent le Bronx. Et ils vont à Manhattan et ils vont, si tu veux, essayer de discuter avec les Blancs. Les Blancs, si tu veux, c'est ceux qui ont les médias, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont les discothèques, ceux qui ont un peu plus que ceux qui vivent dans le Bronx. Et donc, si tu veux, ou ceux qui ont les galeries d'art, si tu veux, d'une certaine manière. Et donc, il va y avoir à un moment donné une espèce de connexion qui va se faire avec les potes et compagnie. Et donc, à partir de là, si tu veux, il va y avoir une personne qui va dire, qui travaille dans une boutique à Soho, tu vois, vers Chelsea, dans le quartier de Chelsea à New York, et elle va se dire que ce serait pas mal de mettre des choses en place. Alors, qui elle est? Elle, simplement, c'est ce qu'on appelle, on va dire, la personne qui est représentative de Malcolm McLaren pour l'époque. Malcolm McLaren, c'est celui qui représente la génération, qui est un petit peu l'agent, le manager de Sex Pistols, et qui représente un groupe qui s'appelle Velvet Underground, mais qui est très important pour l'époque. Si tu veux, c'est des gens qui viennent de Londres et qui vont apporter, si tu veux, à un moment donné, ils se disent, ils commencent à fricoter un petit peu avec, si tu veux, les Lascars du Bronx, et elle s'appelle Rosa Blue. Elle s'appelle Rosa Blue. Elle va créer un endroit qui s'appelle le Negril. Elle va créer un club et elle va organiser des manifestations. Des manifestations, à l'époque, il y avait Tom Silverman qui est à côté de lui. Voilà. Non, non, Michael Oldman. Michael Oldman, c'est pas le même. Donc, Michael Oldman, c'est lui qui fera Graffiti Rock par la suite. Mais, donc, en gros, si tu veux, à eux deux, commencent à mettre des manifestations en place et elle commence à être de plus en plus cotard parce qu'elle commence à gérer des groupes dans le break. Au sein du Bronx. Mais elle, c'est une Anglaise, hein, faut bien comprendre. Et donc, quand je dis qu'elle commence de plus en plus à être quota, ça veut dire que quand la Paramount, en 83, ils vont décider de vouloir faire un film qui va s'appeler Flashdance, c'est elle qui vont l'appeler. Parce qu'elle gère un groupe qui s'appelle La Rentrée des Fous, et comme les jeunes qui sont dans le Bronx, c'est des kids, c'est des gamins, des espèces d'ados, c'est elle est beaucoup plus âgée qu'eux, et puis en plus, elle parle bien, elle est racée, elle est distinguée, c'est presque limite une espèce de mannequin filiforme. Et elle, donc, finalement, elle parle plus facilement avec. Ceux qui ont le pouvoir, en fait, si tu veux. Et c'est elle qui va décider, en 1982, de changer le terme B-boy, parce qu'elle estime que la terminologie, le terme B-boy, il passe pas pour les médias. Donc, il faut un mot qui passe mieux. Et c'est elle qui va même l'exposer à tout le monde, les crew. Ils ont 14, 15 ans, à ce moment-là, quand elle va proposer le nom. Et c'est elle qui va dire, parce qu'elle va être, je crois qu'il va y avoir un journal qui va venir vers elle pour essayer d'interviewer. Et elle va devoir, c'est elle qui va devoir, parce qu'elle parle mieux que les autres, c'est le manager. Il y a elle, il y a Ketari, il y a Henri Calfran, tous ces gens-là. Mais c'est elle à ce moment-là qui est le manager de Rock Télécom. Et c'est elle qui va inventer le mot breakdance.
parce qu'elle décide, c'est elle qui décide que le mot, il est plus viable pour les médias mainstream. C'est mieux de dire breakdance, si tu veux, d'accord ? Ensuite, là, tu es en 1982. Ensuite, en 1984, en France, ça n'existe pas, b-boy. Personne ne dit b-boy. Les gens peuvent te mentir pour raconter leur vie, c'est les mythos, je te le dis. Le seul terme qu'on emploie, c'est soit on dit un smurfer, soit on dit un breaker. Mais en réalité, à partir du moment où tu dis aux gens t'es un smurfer, ça comprend, si tu veux, danse debout et seul, tu vois. Il faut vraiment attendre 1985 pour que les gens commencent à comprendre qu'il y a un vrai distinguo entre celui qui marche au sol et celui qui fait du lock et du pop. Même si, à cette époque-là, les gens faisaient du lock et du pop en même temps. Et des fois, ils faisaient du lock, du pop et du break en même temps. Pour qu'ils lâchent pas raison. Mais donc, nous, on les appelait les breakers, d'accord ? C'est le terme qu'on emploie. On dit, ouais, t'es un breaker, ouais, t'es un breaker. C'était le terme, d'accord ? Ensuite, en 2007, le terme va encore changer. Et là, c'est la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est, si tu veux... C'est une façon détournée pour les Américains de dire hey, « Stop, stop, vous n'êtes que la suite de l'histoire. Le début, c'est nous. Tout est né dans le Bronx. Vous, vous êtes juste les Européens. » Parce qu'il faut bien savoir qu'évidemment, comme le New York City Raptor, il est arrivé en 1982, donc le 21 novembre en France, eh ben, il a fallu, après il est passé par Londres, il est passé, après il est parti à Los Angeles, il est parti dans 5 villes en France. Eh ben, c'est le moment où nous, on va connaître le break. Et c'est aussi un petit peu, d'une certaine manière, de pas très très loin, le moment où, si tu veux, les mecs de Californie vont aussi connaître le break. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment, où on arrive en 2007, eh ben, t'as des danseurs qui vont dire « Non, 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 attention, il y a des choses que vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas, c'est que break, ça veut dire break pour la musique, mais ça veut dire aussi Bronx. Tu vois, Bronx Boy, B-boy, Bronx Boy. Alors, pourquoi Bronx Boy ? Parce qu'en 2007, personne ne connaît les Bronx Boy. D'accord, tu vois. Bronx Boy, c'est un groupe qui s'est créé en 1975. Et qui s'est terminé en 79 avec Batch, pas mal d'autres personnes. Mais il faut vraiment aller dans les racines, tu vois, du Bronx et de New York et de l'histoire du rocking pour comprendre tout ça. Mais en 2007, il y a très peu de gens qui le connaissent. Tu vois, peut-être des mecs comme Wary Dijon et certaines personnes qui ont voyagé, mais la plupart des gens en 2007 ne le connaissent pas. Et donc, quand tu te ramènes le nom Bronx Boy, c'est une façon détournée de te dire ah, attention, ça vient de chez nous. C'est notre culture. D'accord. Vous êtes juste des Européens. Donc, en disant Bronx Boy, ça ramène, si tu veux, bah directement, vas-y, allez, on va dire, l'église au milieu du clocher. Pas du village, excuse-moi, plutôt. Ouais. Ça peut bien. Donc, et après, en termes de nom, et le dernier mot, évidemment, qui est apparu, même s'il est apparu à partir du Battle of the Air, parce qu'en réalité, le mot breaking, c'était la première fois que j'ai entendu quelqu'un le dire, c'était le speaker du Battle of the Air qui le disait. OK. You can break it, you can rap it, you can scratch it. C'est la première fois que moi j'entendais le mot breaking, et le mot breaking aujourd'hui il est utilisé pourquoi ? Il est utilisé spécialement par rapport aux JO. En tout cas, nous en France, on ne peut jamais être fait du breaking, ça n'existe pas. C'est seulement les JO qui à un moment donné se sont réappropriés ce terme. Parce que d'accord. Si les JO avaient voulu vraiment faire quelque chose qui est lié à la culture, ils auraient vraiment à ce moment-là employé le terme b-boying, mais ils ne vont jamais le faire. Donc ils ont appelé ça du breaking, et c'est devenu le terme, si tu veux, générique pour définir la discipline. Une discipline, on va dire, de valeur ajoutée par rapport aux Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'on parle souvent du comité breaking, des règles qui sont liées au breaking. Les gens disent jamais b-boying, jamais breakdance, jamais b-boy. Enfin, c'est toujours breaking, mais ça, c'est pour la nouvelle génération. Eux, ils vont grandir avec le mot breaking, parce que nous, on n'a pas grandi avec le terme b-boy. Enfin, nous, c'est un terme qu'on avait entendu, mais personne n'utilisait ce terme-là, en tout cas en France. Moi, je ne me rappelle pas que les gens disaient « t'es un b-boy ». Ça, c'est des choses qui arrivent il y a 80 ans. Mais avant, t'as un breaker, hein, c'est tout. Tu break, ouais, ben voilà. C'est comme ça que les gens parlaient. Donc voilà, à peu près, t'as les quatre significations. Après, je peux te donner plus d'informations, évidemment. Mais c'est comme ça que moi, je le vends. J'essaie de voir ce que tu as. Non, c'est exactement ce qu'il me fallait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ça va être facile, hein. Tout de suite. Hein. Ah, j'allais pas te poser les questions pièges non plus. C'est une émission familiale. Où tu veux que tu ailles. Du coup, tu nous as parlé de ce moment break dans la musique qui a été doublé par Berger. C'est ça. Est-ce que au niveau de la racine de la danse en elle-même, qu'est-ce qui a emmené la danse, le style qu'on connaît aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? À qui on peut attribuer quelle communauté, pas forcément une personne, enfin je ne sais pas, à qui on peut attribuer les éléments qui ont amené à ce qu'on connaît aujourd'hui, comment et pourquoi c'est devenu ça.
Alors, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Dans le Bronx, tu as plusieurs communautés, d'accord ? Mm-hmm. Une communauté blanche. Elles vont subir ce qu'on appelle le white flag. Le white flag, c'est quand, si tu veux, tu vas avoir des nouvelles communautés, des nouveaux arrivants. Enfin, je veux dire, tu as beaucoup de noirs qui vivent à Harlem, mais dans le Bronx, à cette époque-là, c'est plus des blancs. D'accord ? Donc, okay. Ce qui va se passer, c'est quand on va les appeler les Africanos. Les Africanos, parce que tu as des Latinos et tu as des Noirs. D'accord ? Quand, okay. quand ils vont arriver dans le Bronx, ça va déranger les Blancs. Parce que les Blancs, ils ont leur coutume, ils ont leur mœurs, ils ont leur façon de vivre. Bref, tout ce que tu as envie. Ils sont d'accord pour que quelques étrangers, parce que des mecs comme les étrangers, puissent vivre dans le Bronx. Mais là, tout d'un coup, si tu veux, après la Deuxième Guerre mondiale, tu en as de plus en plus qui viennent pour arriver vers le Bronx. Si tu veux. Ouais. En même temps, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir Robert Moss qui va créer son autoroute, la Cross Bronx Expressway, tu vois. Il va falloir démolir la plupart des immeubles. Le Bronx, ça devient ce qu'on appelle communément la pomme pourrie. Et si tu veux, entre ces deux communautés, il va y avoir des conflits. Quand il va y avoir des conflits, dans ces communautés, la jeunesse va commencer un petit peu à se transformer en gang, les jeunes, pour se défendre. Donc au début, c'est des gangs qui sont communautaires. Donc en gros, ces gangs-là, bah, il y a de plus en plus de gangs qui vont se créer. Après, au début, c'est peut-être qu'il y avait un bien fondé, peut-être pour défendre les parents ou pour défendre leur identité, tout ce que tu as envie. Mais après, ça devient des vrais gangs avec qui est lié à la voyoucratie. Mmh. Voilà, les meurtres, la violence, la hiérarchie, tout ça. Par la suite, ces gangs, il y avait les bagarres, il y avait les sauteries, il y avait la musique. Si tu veux, c'est toute une effervescence, mais ça se trouve uniquement dans le Bronx à cette époque-là. Okay. Quand tu parles avec les mecs, c'est Bronx, si tu veux. Bon, bah après, ce qui va se passer, évidemment, ça va se décliner avec les deux autres endroits qui vont être évidemment Brooklyn et Manhattan par rapport à la danse. Mais si tu pars de la base, la vraie base, c'est le Bronx, et ensuite va émerger une danse. Cette danse, c'est la danse qu'on appelle le rocking, d'accord ? Mais avant le rocking, il faut que tu saches que tous les gens qui étaient dans le Bronx, ils écoutaient ce qu'on appelle du rock, qu'ils soient blancs, noirs, latinos, ce que tu veux. C'était, si tu veux, c'était quand tu regardes juste la guerre du Vietnam, 64, 74, 75, tu vois bien que les musiques du Vietnam, il y a une forme de rock psychédélique. Et avant ça, si tu veux, c'est la génération Woodstock, Janis Joplin et compagnie. Il faut bien suivre, pour bien comprendre l'hip-hop, il faut bien suivre toutes les étapes des tendances et de la musique qui sont liées, non pas forcément aux communautés, mais à l'Amérique dans sa grandeur. Parce qu'au même moment, à partir de 72, le disco commence à arriver, avec ce qu'on appelle le Philly Sound, toute la génération de Philadelphie, tout ce qui va avec, tu vois. Et donc, si tu veux, tu as des jeunes qui sont dans le Bronx, qui, quelque part, écoutent un peu de disco, écoutent du rock, mais pour la même musique, ce n'est pas la même chose, si tu veux, pour que tu comprennes bien. Si tu prends une musique de James Brown, pour la Californie, James Brown, c'est la génération du lock, pour Soup Chuan et compagnie. Si tu prends la même musique et tu la ramènes dans le Bronx, pour la même musique, c'est du rocking. Okay. C'est la même musique, c'est deux danses différentes. Parce que ce qui se passe en Californie et ce qui se passe à New York, au même moment, eh ben, ils sont américains tous les deux, mais ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même vie, ils n'ont pas la même définition de la musique, et ils n'interprètent pas la musique de la même manière. Quand tu regardes Soup Chuan et quand tu regardes les rockers, quand les mecs dans les gants, ils commencent à rocker, si tu veux, c'est parce qu'ils interprètent aussi leur vie. Tu vois, c'est l'interprétation de leur vie, notamment avec ce qu'on appelle la page clan et tout ce qui va en découler derrière. Alors, la problématique par rapport à cette danse qu'on appelle le break, c'est que si tu veux, moi c'est comme ça que je le vois. T'as les vieux, c'est les rockers. Mais les vieux, enfin, ils sont vieux et en même temps ils sont jeunes, parce que ceux qui reviennent du Vietnam, ils rentrent aussi dans les gangs. Tu vois, t'as plein de gangs pour cette génération et t'as plein de groupes. Le groupe à l'époque, Outlaw, Touch of Rock, je me rappelle bien. Une personne qui va être importante, c'est Robert Ben, évidemment. Tu as les Imperial Bachelor avec Willy Strada et compagnie. Tu as les Death Rockers qui vont être très très importants aussi. Tu as les fameux Tibibi. Tu as les Zulu King en 73 aussi qui vont arriver. Donc, ces gens-là, si tu veux, ils font du rocking, d'accord ? Parce que c'est bien représentatif de ce qu'ils sont. Tu vois, à un moment donné, quand tu fais du rocking, à un moment donné, tu es dans une espèce de forme de combat, ce qui pourrait être, si tu veux, une forme de qu'on pourrait appeler le rock par la suite. Tu vois. Bon, et ouais. Dans cette danse qu'on appelle le rocking, tu veux, à partir de 1974, quand Cool Herc, il va comprendre et qu'il va nommer cette nouvelle jeunesse, il va les appeler des b-boys, il va y avoir une fracture, d'accord ? Alors la fracture, elle est simple. D'un côté, bah, les rockers dans les gangs, et pas que dans les gangs, tu peux savoir des gens qui n'étaient pas forcément dans les gangs, mais qui vont faire partie de cette tendance qu'on appelle le rocking. De l'autre côté, tu as une nouvelle génération qui va apparaître avec deux groupes. T'as un groupe qui s'appelle Gestapo, mais t'as surtout la Zulu Nation. Au début, ça ne s'appelle pas forcément la Zulu Nation, mais ça va arriver au fur et à mesure, tu vois. Et, ouais. Dans, et pour les DJ, ce
qui va se passer au même moment, c'est que la plupart des DJ vont créer des collectifs. Donc ça veut dire qu'un DJ, c'est plus seulement un mec qui mixe, c'est quelqu'un qui vient avec ses danseurs et qui va venir aussi avec sa sécurité, comme le Chaka Zulu pour les Zulu-King, et qui va venir aussi avec peut-être, le danseur, DJ et son rappeur, son MC, si tu veux. Donc ça devient des collectifs qui vont se créer au fur et à mesure, comme les fameux Air for Lord ou les Zulu-King ou d'autres groupes qui vont se créer par la suite. Et en gros, ce qui se passe, c'est que tu as des jeunes qui, au fur et à mesure, ça va se faire tout doucement, 75, encore de plus en plus présents, qui vont décider de plus vouloir rentrer dans les gangs, parce qu'ils ne sont pas violents, mais qui vont vouloir plutôt faire une révolution qui est plus liée à ce qu'on appelle l'artistique. Ils préfèrent, au lieu d'être dans un gang et à un moment donné devenir le plus grand salopard du monde, eux, ils préféreront plutôt rentrer dans cette espèce de nouveau gang qu'on va appeler la Zulu Nation ou dans des groupes de danse, pour à un moment donné être significatif du graffiti, du rap, même si le rap est basé sur 79, de la danse, évidemment, tu vois. Et, ça va, et la fracture, elle se fait à quel niveau? Elle se fait que, si tu veux, les rockers, tu vois, les rockers qui font du rocking, ils estiment que ceux qui font du break, c'est l'extension de ce qu'eux, ils font. Tu comprends? Et les jeunes, ils vont te dire non, parce qu'on n'est pas dans les gangs, parce que finalement, le break, il a plus explosé en 77 qu'en 76 ou 75. Donc, il y a une fraction entre les deux. Maintenant, tu as des versions qui vont faire en sorte, parce que c'est de l'histoire. Donc, l'histoire, c'est du révisionnisme. Ça veut dire que tu vas parler avec un tel. Quand tu es prof du sport comme moi, tu écoutes tout le monde, tu fais ta salade, tu crois à des informations. Ça, c'était bien, ça me parle pas. Et au fur et à mesure, tu vas comprendre un peu qui a raison, qui a tort. Mais là, il y a une nouvelle thèse qui vient de tomber, Jérémy. C'est Human Box, qu'on s'appelle Rémi Lopez, qui en a parlé. Où il a parlé du groupe des Tibibi, qui quelque part, il y avait un danseur qui s'appelle Titi Rock, si je ne dis pas de bêtises, qui lui aurait fait du rocking, qui serait tombé sur le sol étant en boudron, il s'est rattrapé, ça a fait des mouvements de danse, et à partir de là, tu as un autre danseur qui lui aussi s'est mis au sol, et eux, ils expliquent que pour eux, le break serait parti de là, d'accord? Ça, c'est leur version, d'accord? Okay. Moi, je pense que la vraie version du break, en tout cas, la version que moi, je reconnais, ça serait plutôt de te dire, à l'époque, c'est plutôt des gens qui voient dans un cercle, un cypher, où il va y avoir cette musique qui va les endiabler, et au fur et à mesure, il y en a un qui va rentrer, qui va mettre un genou au sol, après le deuxième, il va mettre un deuxième genou au sol, le troisième, il va sauter en l'air, le troisième, il va sauter un peu plus haut. En fait, tu vois, c'est une succession de mouvements de plus en plus fous, qui fait qu'à un moment donné, je pense que ça a créé cet univers qu'on pourrait appeler le b-boying, le break, tu vois, en fait. Ok. Bon, je vois pas, il n'y a pas de nom pionnier, genre des mecs qui a inventé le truc. T'as plein de noms de plein de gens qui vont être importants. Tu peux parler de Spy avec ses mouvements, tu parles de Soso, Trixie, Mongorok, les Zulu King. Même dans les TBB, tu regardes les premiers, Jibili, Jojo, Trax 2 par la suite. Il y a plein de noms, si tu veux. Mais entre les premières générations des Ligas Brothers et puis les Rocks et les Crews 77, tu vois, en fait, il se passe 2-3 ans. On peut même pas parler de génération, en fait. C'est pour ça que je te parle de break embryonnaire, où les mecs ils font des mouvements, et ensuite il va y avoir une génération qui, quelque part, deux ans près, va commencer à structurer les choses. Tu vois, à structurer un peu ce modèle, cette danse qu'on appellera le b-boying. Mais par la suite, tu vas avoir tous ces anciens, donc tous ces rockers. Les rockers à l'époque, c'était les Irlandais, les Italiens, il y avait des Juifs qui venaient d'Europe, même des Allemands, et qui eux rockaient dans des groupes, si tu veux. Et eux vont dire, non, attends, hey, vous êtes nos petits, tu vois. Mais eux vont dire, non, pas forcément, parce que nous, en fait, on s'est adapté à cette nouvelle, parce que la musique aussi, elle a un peu évolué par la suite. Nous, aujourd'hui, ce que vous appelez un gang, nous, on appelle ça un groupe. Vous êtes dans la violence, nous, on est dans la non-violence, parce qu'on est rattaché à ce qu'on appelle, évidemment, la Zulu Nation. Même si je pense que la Zulu Nation, à l'époque, quand tu lis certains livres, eux aussi étaient très violents, et pendant très longtemps. Sauf qu'à un moment donné, ils ont compris que si tu regardes déjà la génération de cette époque-là, tu regardes un petit peu les codes qui étaient dits à cette époque-là, c'était souvent « faites l'amour, pas la guerre ». Tu vois. Moi, je pense que Mambata, il s'est dit qu'à un moment donné, avoir un mouvement qui était positif comme Gandhi, ou peut-être qu'il disait à l'époque, c'est l'époque un peu de, on appelle ça les « children flowers », tu vois, les mecs qui sont là, qui vont chanter des musiques délurées, il y a des gourous, c'est plutôt vers San Francisco. Mais ça va inspirer quand même une grosse partie des États-Unis. Il faut que tu saches qu'au même moment, la plupart des jeunes qui n'étaient pas dans la culture hip-hop, eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était pas faire du break, c'était rentrer dans les clubs,
enfin, les grands clubs où on passait du disco, les clubs de blanc, je te dis la vérité. Ouais. C'est bien, c'est maçon. Ouais, c'est vrai. Donc moi, c'est les deux versions que moi je vois. Ok. Donc en gros, j'essaie de pour bien être sûr que j'ai bien structuré dans ma tête. Pourquoi il y a donc cette génération du rocking qui estime qu'il y a une filiation en gros ouais. technique. Voilà. Et il y a ceux qui se sont dissociés de ça pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que le rocking aurait potentiellement influencé parce qu'ils l'auraient vu, mais vu qu'ils ne sont pas dans des gangs, qu'ils n'ont pas la même idéologie, pas le même but, pour eux, ils se dissocient de ça, en fait, c'est ça ? Bah, eux se dissocient de ça parce que, à l'époque, quand tu rentrais dans les gangs, il fallait passer par des rites d'initiation. Les rites d'initiation étaient de plus en plus violents en fonction de la bande. Tu rentres dans un gang, on te donne ta jacket, on te donne un patch. Le patch, ça veut dire que si tu veux, tu vas monter dans les grades. Les grades, ils sont liés à ta violence, ils sont liés à ton réseau. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont pacificateurs dans les gangs, d'accord ? Tu vois, l'esprit du gang, c'est à un moment donné, c'est soit tu as des gens qui vont créer des chapters, c'est-à-dire qu'ils vont créer une petite logique au gang pour agrandir et donner un nom encore plus important, soit tu vas avoir des gens qui reviennent du Vietnam et qui ont un certain vécu et qui ont eu des traumatismes, qui ont vécu la guerre, et qui vont avoir une vie en disant, écoutez les mecs, on peut être un gang, on peut représenter une communauté, mais on peut aussi un peu faire le bien. Mais il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui sont dans cette logique. Les seuls qui étaient connus, pour moi, c'est évidemment Black Benji et Africa Mbata, qui avaient aussi un réseau assez important. Même à l'époque où ils faisaient partie des Power avant d'entrer dans le Black Spade, lui-même déjà, il avait une logique par rapport à tout ça. Mais ils ne sont pas tous dans cette logique. Généralement, entre 1967 et 1973-74, la plupart, c'est des gangs qui sont violents. Et l'idée, c'est surtout de ne pas se faire définir ses couleurs. Je ne sais pas si tu as déjà vu Les Guerriers de la Nuit, mais dans Les Guerriers de la Nuit, à un moment donné, quand un mec qui veut traverser le quartier, tu lui dis retire tes couleurs. Tu vois, c'est une forme de soumission que tu pourras traverser le quartier. Mais l'idée première, c'est avec tous les gangs qu'il y avait à l'époque, je te rappelle qu'à l'époque, il y avait à peu près 11 000 membres de gangs. Il y avait un nombre incalculable de gangs. Bah évidemment, quand tu te promènes avec ta jacket. Ta jacket, c'est ton identité. Donc, ton identité, tu peux la protéger qu'à travers les combats, la violence, les meurtres, tout ce que tu as envie. Donc, tu as eu des noms qui ont été très, très importants parce qu'ils ont été plus loin et des gangs qui étaient plus dangereux que les autres. Donc, quand tu as porté un tel gang et que tu avais les couleurs du gang, c'était un show pour tout le monde. C'est tout, c'est simple que ça. Moi, dans mes recherches, je n'ai pas vu des gangs qui étaient « on aime tout le monde, on va aider les gens, je vais aider un tel à porter ses courses ». Non, c'est que des gangs qui sont violents, c'est que des bagarres, c'est que des stories, c'est que des guerres aussi qui sont liées au trafic de drogue. Après, ils ont un ennemi commun, c'est la police et les marchands de sommeil. Pas la même chose. Ouais. Mais bon, ça, c'est une réunion où ils vont parler par la suite, ils vont comprendre que finalement, en vérité, on n'est peut-être pas ensemble, évidemment, entre le gang qui est à droite et toi qui est à gauche, finalement, vous avez les mêmes problèmes. Sauf que vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas une considération par rapport à vous, par rapport au nom que vous portez sur votre dos. Sur votre dos. C'est ça la pierre. Le nom que tu portes sur le dos. Comme les b-boys par la suite. Ouais, les b-boys, les rappeurs, ce que tu as envie, eux, il y a plein, ils ne voulaient pas forcément vivre cette vie. Donc à un moment donné, quand ils ont vu arriver la Zoomination, quand ils ont vu arriver cette exaltation par rapport à ce qu'on appelle la culture hip-hop, le côté positif et tout ce qui va avec, il y en a qui se sont dit, moi je suis dans un gang, je sais aussi dessiner. Pourquoi je n'essaierais pas de faire du graphe? Pourquoi je n'essaierais pas de faire de la danse? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de monde qui s'est désolidarisé des gangs. Parce que tu te dis bien que la Zulu Nation, elle n'était pas forcément aimée, puisque la Zulu Nation, elle exhortait les jeunes à leur dire, venez vers moi, avec moi, c'est que du positif. Alors que les gangs, eux, ce qu'ils veulent, c'est du nouveau soldat. Donc il y avait pas mal de guerres avec tout ça, tu vois. Et en plus, les mentalités commencent aussi à évoluer, évidemment. Mais c'est super intéressant quand tu regardes un peu l'histoire de tout ça. Tu te dis, franchement, c'est une histoire qui est née dans la violence, mais pour moi. C'est pas autre chose. D'accord. Pour le coup, tu fais le bon pont, là, parce que je voulais une autre question. Si tu pouvais éclaircir un vrai lien, j'ai envie de dire, le commun, quand on vient et qu'on voit du b-boying, on pense hip-hop, systématiquement. Ah, d'accord, ouais. La question, c'est est-ce que, à la base, c'était forcément lié, du coup ? Est-ce que le breakdance ou le b-boying, c'était à la base, à l'origine, forcément lié à la culture hip-hop ? Non, ou est-ce que c'est une histoire et que c'est arrivé après ? Non. Une fois, moi, j'ai aimé une phrase qu'il avait dit Chabadou à l'époque, qu'il a dit le hip-hop, il est né dans les années 80. Moi, quand je regarde la culture hip-hop, je vois des Noirs et des Latinos
qui n'intéresse absolument personne. Tu sais, le Bronx, quand tu regardes l'histoire du Bronx, tu te rends compte que finalement, eux, ils sont dans leur monde et qu'en vérité, la plupart des DJ qui étaient dans le Bronx, leur rêve, c'était pouvoir de mixer à Manhattan. Parce que Manhattan, c'est l'opulence, c'est les blancs, c'est les riches, c'est oui. les gays, c'est la bohème. Bref, c'est là où, si tu veux, c'est un peu les Champs-Élysées, d'accord ouais. Maintenant, aller du Bronx pour aller à Manhattan, c'est déjà un monde, par exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le terme hip-hop, au départ, moi, je ne les vois pas dans une culture hip-hop. Tu vois, c'est plutôt Bambaataa qui a commencé à parler de culture parce qu'il a voulu fédérer des mondes qui n'avaient rien à voir. Par exemple, la plupart des gens qui graffaient, ils écoutaient du rock, mais ils n'écoutaient pas le rock des danseurs. Parce que les danseurs, on les appelle les soup kids rock. Ça veut dire que eux, la musique qu'ils écoutent, si tu veux, c'est des musiques comme Apache, yes. ou des musiques comme Apache. Ça. Ils sont destinés à danser. Alors que les autres, ils pouvaient écouter Led Zeppelin, les Rolling Stones, enfin des groupes qui est une autre forme de rock, si tu veux. C'est comme si je te disais, demain, t'as les mecs qui écoutent la musique qu'on appelle la techno, là qui vont écouter la deep house, d'autres de la house, d'autres de la tribal, tu vois. C'est, ils sont tous dans un univers lié à une musique qui est rock, mais avec des variantes en fonction des générations. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais si tu veux, dans les années 80, il y a le hard rock, tu vois. Donc le rock, il évolue, si tu veux. Et ben eux, à ce moment-là, les gens qui sont dans la culture hip-hop, ils vont écouter une forme de musique qui est liée à ce qu'on appelle la soul rock, que d'autres pourraient écouter dans l'émission Soul Train, alors que les graffeurs, ils n'ont rien à voir avec la culture hip-hop. Les graffeurs, ils viennent, ils vont tabasser un train, ils vont tabasser les murs, ils vont faire en sorte que leur nom puisse dépasser le bon, si tu as envie. Et la plupart, ce qu'ils veulent, c'est plutôt aller dans les galeries, tu vois, du côté Manhattan, pour aller vendre leurs toiles, parce que ça devient ce qu'on appelle des graffiti artistes. La plupart des MC, quand ils arrivent dans l'hip-hop, ils sont pas là, ils se disent pas, ils sont dans une culture hip-hop. Ils sont là à un moment donné parce que tout d'un coup, au départ, ils n'existent pas, même s'il y a des Last Poets avant, Jubilaire et d'autres groupes, Golden Quartet, mais c'est les années 30-40. Mais quand on arrive, ou même les Toasters de Jamaïque, quand on arrive, parce qu'il faut bien que tu comprennes que beaucoup de choses existaient bien avant tout ce qui s'est passé dans le Bronx, mais c'est celui qui ramène ça dans le Bronx à cette époque-là qui fait en sorte que le mouvement ou le nom existe. En gros, si tu veux, tu vas retrouver des phases et des figures de danse dans le cinéma des années 30 et 40. Je ne sais pas, moi, les cinémas Broadway, les cabarets, les revues. Et tu vas trouver des mecs, des fois, qui vont arriver, qui sont un peu atypiques dans leur façon de danser, que personne n'a calculé. Mais c'est des mouvements qui sont des fois associés à de la danse debout, qu'on pourrait appeler du smurf, des fois du break. Même dans des films hollywoodiens, tu vas voir des fois des trucs qui te disent « Putain, mais attends, mais en fait, les frics, ils existaient. » Mais Bébête, j'ai déjà vu en 1935, j'ai déjà vu des mecs qui faisaient baguette. Tu vois, en 1940, c'est-à-dire que c'est plein de mouvements qui existent et à un moment donné, tu vas avoir des danseurs qui vont soit chercher dans leur histoire personnelle, parce que bien évidemment, entre les Latinos et les Afro-Américains, l'histoire est différente. Si tu parles des Latinos, tu vas forcément parler de la danse, d'une danse qu'on appelle le huebo, et tu vas aussi parler du mambo et de toutes les danses qui sont liées à la salsa portoricaine par rapport au top rock. Si tu parles des Afro-Américains, ils vont te ramener, soit ils vont te ramener à l'Afrique, mais moi, je les vois comme des déracinés, donc je crois pas que... Mais ils ont forcément peut-être un truc en eux, un tempo, ce que tu as envie, parce que même si ils sont déracinés, comme il y a eu plein de mouvements qui sont nés aux États-Unis, comme, je sais pas, le jazz, plein d'univers au niveau de la danse, l'indie hop et plein de trucs, qui fait qu'à un moment donné, ils ont la danse en eux. Et en fait, la jonction de ces deux communautés fait qu'à un moment donné, le break est né, si tu veux. C'est pas plus. D'accord. En fait, si tu veux, le noir, le hip-hop a été créé en partie par le noir. Il n'y a pas que le noir, parce qu'à partir de 1975-77, le break, si tu veux, il est dans les parcs. Et à partir du moment où il commence à rentrer dans les parcs, il est visible même des blancs. Et quand je dis des blancs, ça veut dire que j'entends souvent des gens qui sont en dehors du Bronx. Donc peut-être Manhattan, New Jersey, Queens, bref, New York en général. Tu vois Et donc ce qui va se passer, c'est que pour les gens, ce qu'on appelle la culture hip-hop, la culture hip-hop, c'est le terme générique qui va à un moment donné conditionner tous les gens à rentrer dans une communauté avec des règles qui sont établies uniquement parce qu'on appelle la Zulu Nation. La Zulu Nation, leader charismatique African Bambaataa, à la base, si tu veux, si tu vas vraiment chercher la Zulu Nation, il faut que tu remontes au 15 décembre 1971. 2 décembre 1971, mort de Black Benji. 8 décembre 1971, la réunion des 42 leaders de gangs. 15 décembre 1971, hop, ils ont fait la charte, c'était bon, c'était fini. Tous les gangs, soit tu t'appliques, soit tu es dissous. Bref, après, il faut bien connaître l'histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir de là, les noms ont changé. Ça s'appelait The Family, ensuite The Organization, ensuite Bronx River Project, et ensuite Zulu, Zulu Nation, et ensuite Universal Zulu Nation. Ça, c'est toutes les étapes qui commencent à évoluer. D'accord, même si à la base,
si tu veux, la Zulu Nation, c'était un mouvement qui accompagnait des DJ, qui protégeait leurs DJ, qui était genre une nouvelle entité dans Bronx, mais on ne parlait pas encore de hip-hop. Parce que les gens, ils adorent romancer, ils adorent te dire « oui, mais en 74, quand il y avait un moment, ça s'appelait comme ça ». Arrête, au cinéma, s'il te plaît. Tu ne donnais pas de nom, tu dansais, tu te faisais. Et, oui, c'est ça. Il n'y avait même pas d'entraînement à l'époque. Ça n'existait pas, les entraînements. T'as vu les entraînements que tu poses en 4 à l'époque ? Ça n'existe pas. Ouais. Ah non, ça n'existe pas. C'est, tu viens, tu mets un morceau de carton, il y a un mec en face de toi, il met la sono, tu danses, tu dis hey, « hey, c'est pas mal ce que tu viens de faire là. Tu peux le refaire ?» Et tu le refais, hop, c'est validé, tu vois, tu gardes pour toi. Et quand les mecs, ils arrivent à trouver un mouvement et genre, ils avaient un blaze, le blaze qu'ils avaient trouvé, c'était le blaze, c'était leur nom à eux en tant que danseurs, souvent. Pour bien comprendre. Mais la culture hip-hop, moi je pense un peu comme Shabadou, je pense qu'elle a été créée, inventée dans les années 80 véritablement, dans sa matière la plus proéminente, la plus probante. Si ouais. Je trouve qu'avant, ça reste des jeunes qui essayent de s'en sortir parce que la situation, elle est gravissime dans le Bronx, parce que plus personne ne ramasse les ordures, parce que c'est une ville en complet abandon, parce que les associations locaux sont de côté, ils n'arrivent pas à faire entendre aux mères qu'à un moment donné, leur enfant, il n'y a pas d'éducation, que ça se passe mal. Enfin, c'est un endroit où personne n'y va. Il n'y a même pas de taxi. Quand tu habites à Manhattan, il n'y a pas de taxi qui te ramène dans le Bronx. Il n'y a pas de taxi qui va te chercher dans le Bronx. C'est trop, tu sais, si tu veux, c'est l'angle mort de New York. C'est genre, Little Vietnam. Tu habites dans le Bronx, écoute, tu te dérouilles, tu vois. Tu te dérouilles. Ouais. Alors, le Bronx, ça avait beaucoup parlé de lui parce que, beaucoup de gens brûlent les quartiers, brûlent les maisons parce que, évidemment, il y a les escroqueries aux assurances. Mais au-delà de ça, c'est un endroit où finalement, les mecs, ils sont ce qu'on appelle le 1% de la société. Ça veut dire, en gros, ils ont leur propre code. Parce que quand tu regardes les mecs dans les gangs à l'époque, tu les vois, ils ont beaucoup d'insignes nazis. Ils ont beaucoup, ils ont les passes allemands, ils ont aussi la Drachica, Helvetica, je crois. C'est la croix gammée, je ne sais pas plus c'est quoi le nom. Mais en gros, ils sont beaucoup dans... En fait, ils veulent renvoyer l'impact du style. Vous ne nous aimez pas, nous aussi on ne vous aime pas. C'est pas qu'ils voient les choses. Tu vois. Jusqu'à un moment donné, ou peut-être ils vont devenir papa eux-mêmes. Tu vois. Et à partir du moment où ils deviennent papa, leur façon de penser, leur vision sur le monde commence un petit peu à descendre. Et ça tombe bien, puisqu'ils commencent à arriver dans les années 77-78. Les mecs, à un moment donné, ils se calment. En 77, si tu regardes bien, c'est le blackout de New York. 78, c'est l'explosion. Même 77, c'est l'explosion. C'est Star Wars. C'est les dents de la mer, 75, mais surtout, quand tu regardes bien, 77, c'est quand même la fête du samedi soir. Donc, tu peux bien imaginer qu'il y a beaucoup. Il y a plus de jeunes qui sont intéressés par l'univers du disco, avec les Bee Gees et tous les artistes de la Summer, de la Rock, si tu veux, que, bien sûr, Barbara Streisand, que plutôt l'univers de Noirs et de Latinos qui dansent dans le Bronx et qui dansent sur le dos. Ils n'ont rien à branler d'eux. Ouais. Personne ne les voit. C'est juste des gens qui, à un moment donné, il va y avoir des passerelles, des gens qui vont les aider, qui vont les coacher, qui vont les manager, qui vont leur donner des directions. Parce que sinon, ils seraient restés dans le Bronx. Il faut que tu saches une chose. À partir de 1977, le break, c'est de la merde. La plupart des mecs, ils ont arrêté. Les gens vont commencer en 73 à faire des mouvements au sol. En 77, ils ont 18 ans, ils vont en boîte. Hein. Ils ont rien à foutre d'être dans la culture hip-hop. Tu vois, c'est parce qu'il n'y a pas de sortie. C'est pour ça que Crazy Leg, en 79, il a cartonné. En allant chercher la plupart des mecs à Manhattan et partout, pour à un moment donné faire en sorte que Rock City Crew, ça devienne un groupe important. Ils étaient plus de 500. Parce qu'il fallait des espèces de. Des fouineurs, des gens qui y croyaient encore plus que les autres. Puisque, évidemment, à partir du moment où tu arrives en 79, tu dis bien que tout heure, il a 27 ans, je ne sais pas quel âge il a, c'est déjà un vieux. Les Liga Twins, tu ne les revois même plus. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui fait qu'à un moment donné, la génération des Rocksteady, les Floorbusters, les Dynamics Rockers, enfin, tous ces groupes de cette époque-là, c'est eux qui deviennent finalement ceux qui vont être les porte-drapeaux de cette danse qu'on appelle le break. Ouais. C'est pas comme s'il y avait plein de b-boys. Ça se passe vraiment dans Bronx, dans New York. Tu sors du Bronx, les gens, ils n'en ont rien à branler ton histoire de hip-hop. Oui, c'est ça. Et il va falloir que les médias, ils s'en emparent. Parce qu'à un moment donné, on dit, putain, il y a un nouveau phénomène qui existe, qui est magnifique. Et là, les gens vont se dire, mais c'est quoi? Mais si, mais ça va pas se faire avec la danse. Alors ça, avec le rap. Ça va se faire avec Sugar Young en 79 et ça va se faire avec Blondie, avec Rapture. C'est là que tout va changer. Rapper's Delight, Rapture, tout ça. Ouais, c'est bien Robinson et compagnie. Voilà. Ok, d'accord. Bien. Est-ce que si on traçait une triste chronologique, en fait, jusqu'à maintenant, alors, comme je sais la question que je vais te poser après, je veux que tu restes. Allez, on va rester dans les États-Unis. D'accord. Est-ce que tu peux me faire une triste chronologique
à peu près jusqu'à maintenant, des grands groupes ou des grands noms qui ont marqué. Là, si un débutant se dit « Ok, je veux aller voir l'évolution du break aux États-Unis », donne-moi quelques... Les moments marquants pour les États-Unis par rapport au break. En break, je parle. Des noms ou des groupes qui ont marqué l'histoire par un changement du Rocksteady Crew, par exemple, tu vois. Je dire, si je fais, de, là je te fais de mémoire, de peut-être comme ça, Lincoln Park 1981, Dynamics Rockers, pour un petit coup en plein air, certainement le premier battle, on va dire, télévisuel. Je dirais 1983, la scène avec The Flash Band, Namsky, Forty Trees, Ten Twip, Crazy Leg, voilà, ça, c'est une scène qui est importante, parce que ça, c'est un des films qui a lancé, si tu veux, la Californie, même s'il y avait des mecs qui ont fait un pop, qui avaient vu les choses avant. Ensuite, je dirais 1984, une scène anthologique, c'est évidemment le battle de Bistweet contre New York City Breaker dans le Roxy. Je dirais aussi que pour la France, là tu veux rester que dans les États-Unis ? Ouais, je vais te parler de la France juste après du coup. Ok, alors les États-Unis, à partir de 1984, il va y avoir un événement qui va s'appeler Fresh, quelque chose qui va se passer à Londres avec pas mal de danseurs qu'on ne connaît pas. Sur une cassette vidéo qui s'appelle Electro Rock à l'époque, là on est en 85. Ensuite, je vois, enfin, il y a aussi les Break Machines, mais là c'est plus nous qui les voyons du point de vue de la France, si tu veux. Okay. Mais tu as aussi Andy Mann du côté de la Californie. Andy Mann, c'est l'handicapé dans Break Super 84. Yes. Là c'est pour ce que moi je me rappelle dans les années 80. Ensuite, il ne va plus rien se passer entre 85, je ne vois plus rien jusqu'à 1995, si tu veux. Je vois pas, je vois plus les Américains, on les voit plus, on sait plus ce qu'ils font. Parce qu'entre temps, si tu vas à partir de 88, on rentre dans l'ambiance New Jack Swing, des films comme New Jack City, Melas of Fatty par la suite. On n'est plus dans le gangsta rap, c'est plus un, si tu veux, on n'est plus vraiment dans le break. Parce que le break, si tu veux, la continuité, elle se fait avec les clips, les documentaires, les films, ou alors peut-être des fois une émission télé où ils vont inviter un Américain pour faire une prestation. Mais à partir de 85, c'est juste plus, hein, franchement, on ne voit plus d'Américains qui dansent, ou je ne m'en rappelle pas, à part... Ensuite, il y a aussi l'émission Je ne sais pas, Chopé, où tu vois des gens, évidemment, dans l'émission Chopé, que tu vois évidemment Bombay Popping Prince, The Magnificent Force, tu vois Shabadou, Bugaloché, Shabadou qui font une démo. Enfin, moi, je suis resté sur les Break Machines quand j'étais jeune, hein, c'était quand même un groupe fort. Après, on fera la France, évidemment. Après, à partir de 95, moi, tout le monde, la personne qui faisait plus de bruit, c'était Ken Swift en 95. Tout le monde copiait Ken Swift. 96, je dirais que c'est Flowmaster parce qu'il était super original. 97, je dirais que c'est Trump Soul Line. 98, je dirais que c'est Kamel Boogie Brat, c'est plutôt pour Fast Two, le Sound Battle of the Air. 99, c'est la Rock Force. Donc, moi, je dirais que clairement, c'est comment il s'appelle c'est la Rock Force, c'est Jeff, c'est Vietnam avec. Quand ils faisaient ses couples remontés en poignet, enfin, les Rock Force, ils étaient incroyables pour l'époque. Génération 2000, bon, c'est plus quelqu'un de la France qui va stabiliser, mais entre 2000 et 2007, il va y avoir les, il va y avoir toutes les générations, il va y avoir ce qu'on appelle les Texans, avec, il va y avoir Marlon, évidemment, Moy, il va y avoir aussi Kujo, je crois, en 99, qui va être important. Kujo, ça va être aussi quelqu'un qui va faire pas mal de bruit. Qui est significatif par rapport au break américain. À partir de 2000, il y a des gens qui vont commencer à se positionner plus du côté de Miami avec Esquiz Method, donc Abstract et pas mal de gens dans cet esprit-là. Mais c'est vrai que peu de gens se dirigent là. Les gens sont quand même plus West Coast, plus Californie. C'est-à-dire on va plus regarder California et les Breakers à l'époque. Enfin, tous ces groupes-là, si tu veux. Et à partir de 2002-2003, on va rentrer dans la scène de Las Vegas, c'est-à-dire, si tu veux, tous les mecs comme, je sais pas, André de Paranoïde par la suite, les Freak Show, les Knuckleheads, enfin, tous ces groupes qui quelque part, développent un univers qui est plus proche à ce qu'on appelle de l'évol et de l'abstract style, tu vois. C'est-à-dire un côté un peu circassien dans la danse, si tu veux. Et à partir de 2007, on rentre dans la génération des fondamentaux, donc on rentre dans ce qu'on appelle les Mighty Zulu Team. Là, je te parle vraiment pour les Américains, parce que j'aurais pu parler. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc là, tu es en 2007, et après les Mighty Blue King, bah, après, on revient sur des autres groupes, un peu plus, on revient un petit peu à la base à partir de 2009-2010, qui je pourrais te donner comme groupe qui commence à faire l'unité. Qui je me rappelle en américain. Après, c'est plutôt des individualités plutôt que des groupes.
Pour moi, il y a des types d'habits qui deviennent importants. Tu vois, qui commencent à faire du bruit. T'as Roxway qui commence à faire pas mal de bruit. T'as Casper. Tu vois, un petit peu avant, évidemment, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup, je vois moins des groupes, mais plus des identités. Ouais, machine, tout ça. C'est la Pernia qui marquait le plus de points généralement. Et puis, du côté, t'as aussi des mecs aussi comme. Des mecs de Chicago comme Shorty pour l'époque, Brick Aids, des groupes de Californie comme Why Not, Ingredients, t'as des mecs comme. Enfin, je regarde toujours un petit peu du côté Californie et du côté de New York, parce que en fonction de la danse que tu aimes, tu peux ne pas valider forcément ce qui se passe du côté de Los Angeles. Parce qu'à un moment donné, les Texans, ils étaient forts. Ouais. Pour Patch aussi, qui ont fait du bruit à l'époque. Enfin, je veux dire, en vérité, c'est plein de noms qui arrivent et qui disparaissent aussi vite aussi. Donc c'est un peu bizarre. T'as des fois tu te dis putain, ah ouais il est charmé. Il était charmé en 2010, mais en 2011, tu regardes même plus. Oui, c'est ça, puis. Shanaway aussi. Ça touche la Way, c'est important aussi. Ah, c'est Kiss Runway, ouais. Ah ouais, ça touche la Way, c'est très important à l'époque. Mais là, tu te rapproches plus de 2004-2005, tout ça, tu vois. Mais c'est. Des fois, c'est les événements qui font du bruit par rapport à tout ça. Mais t'as eu plein de b-boys qui, quelque part, ont été. Ils ont beaucoup influencé le break. Ouais. Donc, ils ont vraiment donné des directions malgré eux. Et qu'ont été, mais ça dépend dans quel style toi tu danses. Parce que si c'est pas ton style de prédilection, si t'es un mec qui fait des passes, il y a des b-boys que tu vas adorer, celui qui vient et fait des tricks, tu vas dire ouais c'est bien, mais c'est pas mon monde. Je m'en fous, ça me parle pas. En tout cas, c'est pas un message que je vais t'affronter. Donc c'est plutôt des philosophies de pensée. C'est plutôt des mentalités qui sont liées à la danse et par rapport à ce que tu pratiques. Alors évidemment, c'est pas des choses que tu dois mettre en place quand t'es juste, tu dois être objectif. Mais quand t'as un b-boy et que tu pratiques une forme de danse, franchement, si tu es dans les passes, tu vas regarder tous les mecs qui font des passes pour essayer de t'ouvrir l'esprit. Tu vois. Il y a des mecs comme Palmer. Et puis, tu as des mecs que tu vois pas. Tu as passé une vidéo avec IBE. Il y avait Hijack contre Amadou, c'est-à-dire Doudou, de l'époque. Enfin, même d'ailleurs, on a encore mieux maintenant à NBX France. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu as des gens, ils éduquent quand ils dansent. Un mec comme Marlon, quand il danse, il t'éduque. Tu vois, Lil Jon, à l'époque, il éduquait les gens aussi. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu suis un peu le circuit, bah, la dernière fois, il y avait, comment il s'appelle, celui qui était passé au Red Bull, il avait cartonné, il a fait Luigi. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ouais, pourtant, il a fait un BC One, il a cartonné, il arrive en finale. Même. C'est juste que des fois, et puis après, tu as des nouvelles époques. À un moment donné, tu as la génération en 2010, c'était plus Maurice, tu vois. La génération de Maurice, à un moment donné, qui cartonnait. Tu vois, t'as Machine en 2004, Machine aussi, à un moment donné. Il a vachement influencé. Pas grave, tu vois. Mais c'est difficile de donner tous les noms à chaque époque. Parce que finalement, des fois, ils sont là à cette époque-là, mais c'est pas eux qui brillent. C'est d'autres. Tu vois. D'accord. Après, ils brillent, après, ils brillent moins. Et après, ils arrivent des fois à revenir. Donc, c'est pas évident. Okay. Maintenant, tu veux que tu vois quoi la France? Ouais, alors, je vais te poser la question comme ça. Puisque, en plus, là, ça va te concerner particulièrement. J'ai oublié René Ruin et Pablo aussi pour la brille, excuse-moi. Yes. Ok. En fait, ça va te concerner particulièrement parce que l'une des raisons pour lesquelles je suis content de t'interviewer, c'est parce que je voudrais que tu me fasses un bref historique de ce style-là en France. Et je sais que tu es pour le b-boying. Okay. On est sur le thème b-boying, breakdance, d'accord ? Je veux vraiment que tu puisses nous faire un bref historique de la France parce que je sais que tu en es un protagoniste important, d'accord. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pour la France? Moi, il faut que je parte sur les années. Pour moi, c'est plus facile à construire. 1984, pour moi, c'est la génération des PCB, d'accord. Donc, les Paris City Breakers, Frank, Solo, Nico, Scalp, le Bulldozer, Willy. Et il manque Bouddha. Ensuite, il y a les Hip Hop Force aussi qui vont être importants par la fin de l'émission. Tu as les Actuelles Forces qui vont arriver, qui dansaient à l'époque, qui n'étaient pas construits sous le nom Actuelles Forces. Tu as un groupe qui va être important, il va y avoir les mecs de Troyes avec Ted et compagnie. Il va y avoir les Imperial Breakers avec Laurent Fly pour l'époque. Il va y avoir les Fort Second Street avec une équipe. Tu sais, tu as des groupes qui sont émergents dans l'histoire du break français. Tu vois. Mais pour la première génération, si je devais donner trois noms, pour moi, les trois noms les plus forts de ce que moi je pense, parce que évidemment c'est mon point de vue, je dirais Nico DPCB, Solo et Pascal Blaise. Voilà, c'est les trois noms. Après, tu peux trouver d'autres noms. Il va y avoir Noël,
Il va y avoir qui était fort à l'époque, il y avait Xavier qui était tout un tueur, il y avait Nabil Kiatessence qui était très très fort aussi à l'époque. Enfin, je peux te donner plein de noms, mais c'est les noms d'une génération. D'accord? Ouais. Ensuite, on arrive à la génération 90. À partir de là, tu as beaucoup beaucoup de b-boys en France qui vont danser, mais ils sont une minorité. La plupart des gens, ils font de la hype. D'accord? Mais c'est à ce moment-là que va naître toute la génération Karim Barouche, par exemple. Il va arriver, même s'ils ont commencé plus tôt. Mais c'est à ce moment-là qu'ils vont être reconnus. Il va y avoir Hassen, l'actuel. Il va y avoir des noms qui vont commencer à un moment donné à sortir, à faire beaucoup de bruit, à représenter une touche et une patte. Hein, ce qu'on appelle la French Touch, si tu veux. Après, à partir de 1995, c'est plutôt des groupes qui vont se distinguer. Entre 1995 et 2000, moi, je vois Dave Dog, qui va être un groupe très, très important pour la France. Il va y avoir, pour Châtelet-Halle, il y avait les Nasty Breakers, qui aussi est un groupe zéché, quoi, tu vois. T'as Division Alpha, bah t'as nous, évidemment, pour l'époque. Mais attention, moi, quand je parle de la France, faut pas que je reste que sur la France, parce qu'au moment de la première génération, t'as les MCB. Les MCB, c'est les danseurs de Marseille. T'as les Belzen, t'as les Belzen Breakers, qui eux sont aussi de Marseille. T'as aussi les Olympic Stars, qui eux sont aussi du côté de Toulouse. Enfin, tu vois, mais après, ça veut pas dire que nous, on les connaissait. Parce que nous, on est des titis parisiens. On s'entraîne à Châtelet, on est à Paris et on voyage pas forcément, d'accord. Mais quand tu en as parlé de 1995, les groupes qui commencent à faire parler d'eux, ben en 95, je sais pas si je dis le titre, mais il y avait les Hip Hop Zone, par exemple, les Hip Hop Zone de Lyon, qui sont un groupe qui a été très important à Lyon. Ensuite, moi, j'ai donné plutôt les noms pour Paris, mais je vais essayer quand même d'ouvrir, hein, parce que sinon, c'est pas terrible par rapport aux autres. Tu avais les Wanted, tu vois, les Wanted, ils ont été très importants aussi, ils ont ramené une couleur de ouf. Tu avais le groupe The Family en 95 qui a impulsé le truc avec Battle Rap 95. Tu vois. Maintenant, si on devait donner des noms en particulier, moi je te donnerais Rajdi parce que je trouve que Rajdi, c'était quelqu'un qui était original de fou pour l'époque. Karim Barouche, paix à son âme évidemment, parce que c'est quand même un des visages de la French Touch. Ibrahim Dembélé, parce que pour moi, c'est celui qui a inventé ce qu'on appelle le long power move. C'est lui en 95. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Qui je pourrais dire pour la génération 95 à 2000 que moi j'ai vu. Après, il y a Salim de Pokémon. C'est le seul que j'ai vu, moi, enchaîner plusieurs vrilles. Et moi, je te dis, en fonction de mon histoire, de ce que moi j'ai vu. Peut-être deux personnes qui ont raconté les choses différemment, mais c'est lui le premier que j'ai vu enchaîner plusieurs vrilles. Après, bien évidemment, il va y avoir Michael, Rota, Chad, Lancelot et d'autres personnes qui vont se distinguer. Nono par la suite et d'autres personnes. Mais pour ce que moi j'ai vu par rapport à l'histoire de la France, entre 95 et 2003-2004, après il va y avoir Benji, qui lui va inventer ce qu'on appelle le flexible style, tu vois, c'est on va dire le cercle avec le pour les gens, si tu veux, qui va être très important pour les gens. Les gens qui étaient importants, c'est soit parce qu'ils faisaient des choses que personne ne faisait et c'était original, soit c'est parce que c'était ceux qui allaient défier tout le monde et qui faisaient parler d'eux plus que les autres. Parce que tu as des mecs qui sont importants comme Willy Boy. Willy Boy, à l'époque, c'était important. Deville était quelqu'un d'important à l'époque quand tu rentrais, il était chiant. Il y avait qui d'autre que je voyais, Farid, le druide, qui était en musicalité, en passe-passe, qui était un monstre. Après, à partir de 2003, le nom pour moi qui signifie vraiment le break français, ça reste Mathias. Mathias, celui qui a popularisé les top rock, celui qui nous a montré la voie. On va pas se mentir, tout le monde se battait les couilles des top rock, dans la réalité. À un moment donné, il faut dire aussi les choses comme elles sont, tu vois. Après, j'ai peut-être oublié des noms, excusez-moi, parce que là, on parle de la France, c'est difficile à se rappeler tout le monde. Après, c'est la génération du 1000% qui arrive. À l'époque du 1000%, il va y avoir des gens qui vont être importants. Archad, très important, Archad. Toujours au courant pour défier les gens. Pour moi, il y a Meda aussi. Meda, très, très important, Meda. Les gens l'oublient. Très, très important, toujours avec des titres. Moi, pour moi, les vrais b-boys, c'est celui qui va défier. Voilà. C'est ça ma définition du b-boy. Sinon, pour moi, tu es juste un mec qui pratique, tu es un compétiteur. Mais le b-boy, pour moi, c'est celui qui va défier les gens, c'est lui qui assume. Pour moi, c'est lui le vrai B-Boy. J'ai oublié de parler aussi de Brahim de Pokémon, qui était un tueur à l'époque. Rodolphe, évidemment, que je n'ai pas nommé. Ouais. Après, je pourrais te nommer plein de noms. Le problème, c'est que quand c'est la France, c'est difficile parce que à chaque génération, tu as toujours des mecs qui arrivent et qui ont une vraie importance dans la culture hip-hop. Après, des fois, ça a été des feux de paille, des fois, ça a duré beaucoup plus longtemps. Et des fois, ils ont fait en sorte qu'à un moment donné, ils donnent un style, tu vois. Si tu regardes du côté de Marseille, tu vas voir des mecs comme Saïd, qui était super fort à l'époque. Tu vois, t'as des noms en toute la France qui n'étaient pas mauvais, tu vois. À un moment donné, t'avais un mec qui était fort aussi, c'est Samir Denim, qui était un tueur. Tu vas du côté de l'Est, t'avais aussi Samir Yano, qui faisait des power moves, qui était en avance sur beaucoup de gens. Enfin,
quand tu cherches toute l'histoire, c'est difficile parce qu'il faut que tu passes, il faut que tu ailles faire toutes les villes, tu vois, donc c'est difficile. Et en plus, c'est des trucs, c'était il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc c'est très difficile pour se rappeler tous les noms. Si tu oublies un nom, mais tout de suite, tu es l'écrémeur du diable et tu es l'hérétique du service. Donc c'est délicat. Aujourd'hui, évidemment, les noms, à part rater, bah, c'est pas de Pâques parce qu'il a été une vraie impulsion pour la jeunesse. Mais les Tekken aussi, ils ont été importants à l'époque du Chin City. Je trouve que les Tekken, ils ont ramené une couleur différente à un moment donné. Je sais pas s'ils sont encore dans la même direction, mais à un moment donné, c'est vrai que les gens, ils kiffaient les Tekken, tu vois, leur façon de breaker, leur façon à eux de ramener sur la musique. Pac-Pac, ça a été un bon élément. Et à partir de là, il y a eu plein de générations qui sont arrivées, Chaimin, Pluton, et toute une génération de lions qui étaient prometteuses, tu vois. On va pas se mentir. Il n'y a pas que les lions, attention, tu vois. Il ne faut pas oublier un mec très important, Soso. Oui. Charlie de l'époque, en 2004, celui qui dansait avec Mehdi. Un tueur, Charlie. Soso, Charlie, un mec qui a beaucoup porté la France. Hein. Très important. Sauf que les gens, ils ne savent pas. Moi, j'étais là à l'époque. Une fois, il a passé un smoke, il a fait un passage. Je te dis qu'il a raté le temps, à vie. Donc, il y a eu plein de gens qui, à un moment donné, ont une importance. Après, c'est clair qu'il faut avoir de la mémoire. Tu ne peux pas avoir de la mémoire pour tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas été aussi important. Tu vas du côté de l'Alsace, tu peux passer devant un mec qui s'appelle Sidali. Sidali, très important à l'époque des Magic Electro. Wawu Crew, tout ce qui va avec. Après, il y a Youssef. Youssef qui est rentré dans Vagabond. Très important. Après, évidemment, aujourd'hui, tu ne peux pas passer à côté d'un mec comme Kev. Lui, Kev. Moi, j'appelle Kev. Pour moi, il a grandi. Ou alors, tu peux passer à côté de quelqu'un comme Dany. Aujourd'hui, Dany fait partie des meilleurs en France. Du côté de Montpellier, tu as Khalil. Ouais. T'as Khalifa. Tu as cartonné en 2017, je crois, ou 2016, au Silverback Battle. Et tu as aussi des jeunes comme le petit Malik, le petit Jawad, en kid, qui sont des monstres. Mais malgré tout ce que je te dis, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a aussi des gens, c'est des formateurs, des gens comme Paolo, Jawad, Farouk, c'est important. Kamel Southside, j'essaie de voir un peu tous les formateurs, tous les coachs qui sont en France, qui j'ai pu oublier, parce qu'il y en a tellement, il y en a beaucoup. Hein. Attention, il y a Neji aussi, il y en a plein. Il y a aussi Michael Pico avec le petit Lucky, il y a aussi Mogwai aussi avec ses jeunes. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui sont importants, mais en vérité, nous sans eux, on n'a rien, et eux sans nous, ils sont rien. On est tous ensemble. Alors évidemment que, heureusement qu'il y a toutes ces petites guéguerres entre nous, parce que c'est cette émulation qui crée un petit peu la compétition. S'il n'y a pas tout ça, la culture hip-hop, on n'est pas là pour tous être amis. Mais après, c'est des guerres qui sont liées à la danse, c'est pas des guerres qui sont liées à la vie. À la vie de tous les jours, il n'y a pas de raison que toi et lui ne disiez pas bonjour. Après, dans la danse, dans la compétition, dans ton univers, tu te crées ces ennemis-là pour pouvoir avancer. Il ne faut jamais que ça rentre dans le domaine civil. Il faut que ça reste toujours au stade de notre univers, de la culture hip-hop. Parce qu'il ne faut pas oublier que même cette culture, elle est violente, parce que c'est vrai qu'il faut être prêt, hein, quand un mec qui vient te chercher, il faut y aller, il fait des couilles. Hein. Ah oui, je te le dis, moi. Donc, ça reste violent, ça reste des prochains. Et j'ai oublié après, évidemment, excusez-moi, parce que là, franchement, je vais réfléchir à un truc. Il ne faut pas oublier aussi les femmes. Il y a eu plein de femmes qui ont été importantes. Évidemment, c'est Karima qui est une force. Qu'est-ce que tu veux dire Intemporel. T'es obligé de l'aimer. Il n'y a pas de choix, tu vois. Elle est là, elle a sa pantelle, elle danse encore. Nacera, c'est très important. Babyson, Bibiche. Là, je te donne vraiment les noms qui ont été significatifs pour la France. Waouh, Bibiche, oui, tu ramènes loin. Manuela, Sarabi. Là, je te donne vraiment les noms qui ont été symboliques pour la France. Tu vois. Qui j'ai pu oublier comme fille, à un moment donné, Cindy, elle aurait pu être bien. Cindy Martinet, à un moment donné, mais elle n'est pas restée assez longtemps. Qui j'ai pu oublier à un moment donné dans les Big Girls qui ont été vraiment fait du bruit. Moi, il y a une Big Girl que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Lily. C'est la jeune Max de Dark Knight. Elle est vraiment, vraiment intéressante. La petite Kimi, dernièrement, qui a commencé à monter grave et qui fait peur à tout le monde. La petite Sissi aussi. La petite Sissi qui fait partie de notre petite force, tu vois. Et j'ai vu gagner plein de battles. Enfin, tu vois, tout ça, c'est la génération de demain. Ouais. Évidemment, et Carlotta aussi, qui fait beaucoup de bruit. Enfin, voilà. Après, moi, je peux t'énumérer, parce qu'il ne faut pas oublier les filles. Il y a Brice qui dit, il va n'oublie pas Marceau, mais sauf que Marceau, c'est très important. Après, on ne peut pas donner tous les noms, parce que sinon, on n'a pas terminé. Ça, on crée pas mal. Alors,
Pour le coup, j'ai encore 5 minutes avec toi, si je Oui. rentre dans le timing. Et comme je t'avais dit, je voulais te parler d'un truc, je voulais que tu donnes ton avis sur quelque chose. D'accord? Qui est un peu hors du contexte histoire de Bitcoin. Mais pour moi, ton avis, il est important. Moi qui suis plus vraiment dans le Bitcoin, hein, il faut dire ce qui est. La Ah, dernière fois que ça. j'ai fait une coupole, je me suis fait mal. Et ça a quelques années. On est plutôt jeune. C'est ça. J'ai observé deux choses. Un, il y a une implication de marque maintenant que je ne voyais pas dans le Bitcoin. Je pense notamment à Red Bull. D'accord. Ça, c'est une première chose qui, moi, me marque maintenant et je voudrais ton avis. La deuxième chose, je ne sais pas s'il y a un lien ou pas, c'est les JO. Ça fait pas mal polémique. Il y a plein de gens qui en parlent, qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord, qui ont des avis mitigés, etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Là, pour le coup, sois pas objectif, je veux ton avis sur, un, la présence de ces marques-là dans le Bitcoin, là, qui est quand même importante, je trouve, maintenant, et ce nouveau truc, ce nouvel essor et l'opportunité des JO. Alors, les JO, je vais vous dire la vérité, beaucoup de gens sont contents des JO, mais personne ne sait vraiment ce qui va se passer avec les JO. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour les JO tant que ça ne change pas notre mode de vie. C'est ce que moi, je connais le hip-hop que j'ai aujourd'hui. Je sais à quoi il ressemblait en 2019, mais à quoi il va ressembler en 2024. Si c'est pour perdre tous les privilèges, c'est-à-dire si c'est pour perdre tous les batailles qu'on avait avant, notre autonomie, notre indépendance, parce que la FFD, d'une certaine manière, aujourd'hui, ils font deux breaks, demain, ils pourraient faire de la danse debout, là, je ne suis pas d'accord. Moi, j'accepte la FFD tant que ça reste dans le domaine break, lié au JO. Voilà. Là, tant qu'il reste dans ce curseur-là, je dis OK. D'accord? Quand ça commence à sortir du cadre des JO, je les vois plutôt comme malveillants. Ça me dérange. Pour moi, ils doivent rester dans leur cadre à eux. Parce que pour moi, les JO, c'est bien si tu sais t'en servir. C'est-à-dire t'en servir avec les villes, les marques, des nouvelles enseignes, des nouvelles promotions et tout ce qui fait. Tout ce qu'ils font ensemble, parce qu'évidemment qu'aujourd'hui, quand tu vas voir ta mairie, tu vas leur dire, hey, ça va à l'époque, je te parlais d'un truc. Bah, c'est de ça que je te parlais. Le break, c'est ça le break, tu vois. Donc peut-être que ce mec-là, il va t'écouter, alors qu'avant, il ne t'aurait pas écouté. Ensuite, tu as Red Bull qui arrive. Red Bull pour les JO, c'est pas bon. Parce que Red Bull, c'est un monopole. Tu vois. Alors, si Red Bull, ils ont du cœur, et qu'à un moment donné, ils ne nous font pas ce qu'ils nous font d'habitude, c'est-à-dire que Red Bull, ils adorent à un moment donné, ils sont là au service de leurs employés, c'est-à-dire les All-Stars, ou les gens qui travaillent pour eux, mais ça fait qu'à un moment donné, ça devient une marque qui privatise la culture hip-hop d'une certaine manière. Mais si Red Bull, avec les JO, ils décident d'ouvrir les vannes et de faire travailler d'autres personnes et d'ouvrir beaucoup plus la mentalité pour que d'autres personnes puissent travailler, je me dis c'est peut-être pas si mal. Mais je trouve quand même qu'une marque, elle n'a rien à faire dans les JO au niveau de la création du circuit olympique. C'est ça qu'elle va faire Red Bull, c'est qu'elle va s'associer avec la WSF qui se trouve à Lausanne. Donc, c'est eux qui sont en lien avec le CIO, c'est eux qui vont parler au nom de toutes les fédérations. Si tu veux, la WSF, elle est ici, et ensuite, toutes les fédérations. Sauf que le circuit olympique, si tu veux, à ce jour, il n'est pas terminé, il n'a même pas commencé. Donc, ils vont créer une espèce de délégation qui va travailler avec Red Bull et qui va, à un moment donné, ben, goupiller les choses. Alors, la seule chose qui est positive par rapport à Red Bull, c'est, je pense, hein, c'est que Red Bull, comme ils ont un réseau, ils ont des circuits, enfin, ils ont un grand circuit et des réseaux un peu partout, ils vont permettre à des pays, on va dire, des pays qui n'ont pas les moyens de mettre en place peut-être des compétitions chez eux. Parce que ça demande beaucoup d'argent pour faire des compétitions, moi, je ne sais pas, Botswana, ou peut-être un pays d'Asie que personne ne connaît et qui veulent participer. D'accord? Mais Red Bull, ils vont pouvoir agir qu'à un certain niveau. La problématique qui va se passer juste après, c'est qu'évidemment, le problème des JO, c'est que ça fait rêver tout le monde, mais à un moment donné, il faut pas rêver trop. C'est-à-dire que tu sais très bien si tu as le niveau pour participer aux JO. Tu sais très bien qu'on a envie d'avoir les meilleurs au monde. D'accord? Toi, tu as l'espoir de pouvoir y participer alors que tu n'es même pas capable de passer les qualifs de ton quartier. Mais ça ne fait rien. Alors, faut pas, les gens ils ont le droit de rêver. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une fois que tu es qualifié, eh ben, il va se passer on va tomber sur la génération des litchis. La génération des litchis, c'est que les compétitions continentale, où il va falloir peut-être passer de l'Europe à l'Asie, ou de l'Asie, l'Australie, on va savoir où, eh ben, c'est pas les JO qui vont payer ça. C'est soit tu arrives à dégoter des marques, où tu vas être la symbolique de cette marque-là,
soit tu vas faire comme tous ces athlètes qui vont pas des litiges, s'il vous plaît. Les mecs, ils sont australiens, ils se transforment, ils sont roumains. Bref, ils vont demander de l'argent à tout le monde pour pouvoir les aider, pour pouvoir, si tu veux, passer d'une étape à l'autre. Tu vois. Donc en vérité, ça a l'air prometteur pour les gens, mais il y a plein qui seront sur le carreau. Alors ça fait rêver les gens, mais la fidélité, c'est qu'il y aura seulement 16 garçons, 16 filles. Moi, ça ne me dérange pas, sauf si ça change trop mon quotidien. Ouais. Tu vois, si à un moment donné, je perds mes libertés, là, ça peut devenir un gros problème pour moi. Parce que je sais exactement à quoi ressemble le hip-hop avant les JO. Tu vois ? Alors, je peux pas parler comme un vieux con, parce que tu sais comment ça se passe. J'ai 50 ans, si je commence à être trop radical vis-à-vis des JO, ça veut dire que je suis un conservateur, je suis pas ouvert d'esprit, je suis un radical, tout ce qui va avec. Alors qu'en vérité, moi, ce que je veux, c'est que les peuples continuent à avoir nos libertés, nos privilèges, qu'on puisse continuer à faire nos événements comme on les faisait avant. Bref, qu'on puisse aller de l'avant et pas à se retrouver à un moment donné avec une espèce d'entité qui va dire non, stop, c'est plus comme ça, c'est comme ça. Non, tu es trompé, c'est nous le hip-hop, c'est pas toi. Tu vois, ouais. Et il faut pas oublier qu'aujourd'hui, cette culture, elle existe parce que tu as plein de gens qui sont passionnés dans toute la France. Alors là, je parle de la France en l'occurrence. Et c'est grâce à toutes ces petites mains que la culture a perduré. C'est là pourquoi j'ai nommé des gens comme Paolo et plein d'autres personnes, des coachs, Jawad, c'est la référence des coachs. Mais pourquoi j'ai nommé tous ces gens-là? Mais parce que ces gens, et j'ai oublié aussi les causes des caisses à la Warren. Mais pourquoi j'ai oublié ces gens-là? Pourquoi j'ai parlé de ces gens-là? Parce que c'est eux demain qui vont entretenir la génération de demain. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas demain de profs de danse, de coachs, de mentors, de jeunes qui encadrent, enfin de gens qui vont encadrer ces jeunes et qui vont les amener vers une bonne direction, finalement, on va terminer avec ce qu'on appelle la middle school, notre génération, et il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas d'héritage, il n'y aura pas de futur. Et aujourd'hui, quand tu regardes le break dans le monde entier, les petits sont plus forts que les grands. Ouais. Les petits, un petit aujourd'hui qui a 10 ans, il peut se trouver en finale des plus gros événements qu'il y a en France. Incroyable, mais vrai. C'est la méthodologie, la façon de travailler. On dirait aujourd'hui que les mecs, ils entraînent les jeunes comme si c'était des footeux. Tu vois, comme si à la fin, tu te dis, putain, avec mon petit, je vais pouvoir voyager, tu sais, des baby miles, tu vois. Grâce à lui, ouais. Bah, dans une petite campagne de Londres, bah, grâce à lui, je vais pouvoir partir là-bas, à Bornéo, je sais pas moi, à Sydney, à Monaco, j'en sais rien, va savoir où. Mais tu vois, c'est grâce à ces jeunes, tout d'un coup, les enjeux sont différents. Mais moi, pour moi, la finalité, c'est OK pour les JO, parce qu'il faut... chaque génération a son format. Nous, on a eu des battles. Enfin, moi, j'ai grandi avec les Zulu parties, les Black parties, tout ce que tu as envie. Maintenant, cette génération, elle a les battles, mais elle a les battles confinés. Hein. Parce que là, tu es la génération Covid. Hein. C'est la sixième génération du hip-hop. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont les battles, mais en finalité, ça devient la génération des JO. Donc, eux, ils grandissent avec un enjeu qui est complètement différent. Ce que je peux comprendre, mais je n'ai pas envie d'avoir un discours du style « c'était mieux avant ». Ouais, c'est parce que ça fait trop moi je dis toujours c'était mieux avant si tu étais fort avant. C'était beau gosse si tu avais de l'argent, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est les questions de perspective et de point de vue. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis OK pour les JO si on n'y perd pas, parce que si c'est pour avoir une personne qui va monter sur le podium avec la flamme olympique et qu'en vérité je perds toutes mes libertés et qu'aujourd'hui je me retrouve dans un système qui est fédéral et j'ai pour droit de rien faire, là je suis contre, de A à Z. Et je serais même le plus grand militant contre. Moi je veux garder mes libertés, je vais pouvoir faire les événements comme je faisais avant. C'est pour ça qu'on parle toujours de break sportif et de break culturel. Tant que ça reste, tant que ça reste dans le break sportif et que les gens qui veulent participer au JO, eh ben, quand tu rentres dans un cadre, dans un système, et que finalement ça ne dépasse pas le système, ben, moi je dis OK. Mais si le système il dépasse et commence à rentrer dans mon univers, c'est-à-dire le break culturel, le break de ceux qui veulent faire de l'underground, demander de l'argent aux mairies pour organiser leur événement, mais que tu dois être régi plutôt par le ministère de la Culture plutôt que le ministère du Sport, et qu'à la fin, c'est même plus que c'est culture, sport, sport, culture, et qu'à la fin, tu ne sais plus, attends, je ne crois pas, tu vas donner un cours de sport ou un cours de danse, je pense que plus. Bref, je veux garder le hip-hop qu'on avait avec tout ce qu'on avait avant, parce que le hip-hop qu'on avait avant, il était magnifique. C'est d'ailleurs ce qui faisait rayonner la France, on avait plus de 1500 événements par an en France. Aucun pays au monde n'a ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y avait un étranger qui venait en France, presque les 8 qui voulaient vivre là-bas. C'est pour ça que toutes les écoles de formation en France, la plupart, c'est que les étrangers qui viennent de tous les pays d'Europe. Parce qu'ils savent que très bien qu'en France, non seulement tu vas être formé, mais en plus, tu auras du travail. Chose qu'il n'y a pas forcément chez eux. Donc la France, tu veux, c'est le nouvel Eldorado. Mais ça reste l'Eldorado tant qu'on garde nos libertés. Ouais. Parce que si c'est pour arriver sur un nouveau format
où finalement tu es dans une espèce de servitude par rapport à la danse, et que, en fait tu te dis, bah attends, moi c'est pas ça le hip-hop, tu vois. Le problème, c'est après tu rentres dans des normes, et à la fin, pour la modernité, tu vois, pour le sacrifice de la modernité, bah finalement, eh ben, le hip-hop, la vision qu'a le hip-hop, ou la transposition de ce qu'était le hip-hop, finalement, à la finalité, ce que tu vois, ça revient un peu comme tous les films de danse hip-hop que tu vois au cinéma, où il y a marqué break, danse hip-hop, tout ce que tu veux, et finalement, quand tu regardes ça, tu te retrouves pas dans ce que tu vois quand tu es assis sur ton siège, et tu te dis, non mais attends, est-ce que vous proposez, c'est pas nous, ça nous ressemble pas. Pourquoi vous montrez pas le vrai? En fait, les gens veulent le hip-hop sans les acteurs du hip-hop. Tu comprends? C'est pour ça qu'on se retrouve toujours avec un hip-hop biaisé. Oui. Après, je pense que lors des JO, le format, il va rester hip-hop parce que les gens qui vont être dans la commission, enfin, les gens qui vont être tirés de et qui vont prendre des décisions, je pense que c'est des gens du hip-hop. Ok. Voilà. Mais après, à quel prix? Tu vois? C'est pour ça que pour l'instant, moi, je ne suis pas d'accord pour qu'une marque ait un monopole par rapport à un circuit. J'aurais préféré que la WDSF elle le fasse sans l'aide d'aucune marque. Parce que tu as l'impression que tu es un peu dans l'esprit du jeu de Coubertin. Tu te dis, bon, allez, c'est quand même le sport, ça devrait être droit. À partir du moment où tu as Red Bull qui rentre dedans, c'est un monopole qui peut se créer. Et on ne sait pas dans quelle direction ils vont aller. Est-ce qu'ils vont avoir du cœur ou ça va simplement être un business pour eux? Et finalement, nous, on va être au milieu de tout ça et on va être la chair à canon de toute cette histoire. C'est pour ça que nous attendons de voir vraiment comment ça va se passer. Ok. J'ai oublié des gens comme Junior, évidemment. Salomon, Lorraine aussi, qui a apporté ça. Vraiment, vraiment lui. Enfin, tout à l'heure, je m'excuse parce que tout à l'heure, j'ai donné plein de noms, mais c'est difficile de donner tous les noms de la France. Ah, c'est chaud. Il y a des gens qui sont merveilleux, qui nous ont fait rêver, tout ce qui va avec. Voilà. Ok. Vous avez un mot de la fin? Ouais, le mot de la fin, merci Yuval, déjà, beaucoup pour ton intervention, pour ce que tu nous as apporté. Et sincèrement, je pense que tu as énormément éclairci les choses pour beaucoup de gens qui voient ces danses. Et non seulement ils ne savent pas ce que c'est, mais surtout n'y comprennent rien. Et donc, je pense que c'est important. Et puis, je vais quand même sortir ce mot-là, hein, tu t'y attends à ce que je dise ça. Je suis quand même content que tu sois intervenu parce que malgré que certains disent oui, c'est pas un b-boy, il tourne pas sur la tête, il fait pas la coupole. Pour moi, tu es, et c'est une note personnelle ce que je dis, tu es le personnage important de l'histoire du b-boying en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, une chose, hein, vous allez danser, vous rentrez dans un battle, ce gars-là, il prend le micro, il vous sort votre CV. Vrai, de vrai. Ouais, c'est vrai. Vous pensez être passé par les mailles du filet, et ce gars-là, il vous dit, si, je t'ai vu débuter, je t'ai vu faire ton premier battle, je t'ai vu perdre, je t'ai vu gagner, je t'ai vu faire ça, changer de style, changer d'énergie. Donc, réellement, c'est un personnage important de l'histoire du b-boying en France, que ça nous plaise ou non, et il va sortir un bouquin, réellement, prenez-le, parce que c'est une page d'histoire, c'est une grande page d'histoire. Merci beaucoup, Yuval, de ton intervention. Et ton actu, t'as donné sur ton actu, je ne sais pas si tu as des... Mon actu, elle est simple, c'est Étoile 2024 avec la SN. Grosse dédicace à la SN, à B-Boy France, à sa femme, pour tout le travail qu'ils fournissent sur tout le territoire, sur tous les événements qu'ils mettent en place. Moi, je suis à fond avec eux, ils le savent, de A à Z. Et surtout, je suis à fond sur le projet Étoile 2024. La Break League aussi devrait revenir avec Greg, tout le monde ici. À l'heure où je te parle, ils sont en train de faire justement une grosse réunion pour essayer de voir comment vous mettre les choses en place. Donc, c'est vrai que pendant un mois, on va être confiné. Grosse dédicace aussi pour Jussi à la Wari, Jawad, Mamar, Max, tous les gens du Sud qui mettent des choses en place, Val, tous ces gens qui mettent des choses en place, Hassan de Perpignan, tous ces gens qui mettent des choses en place, Sadat de l'autre côté. Enfin, je peux nommer plein de gens, mais tout à l'heure, on parlait du b-boying. Pour moi, le vrai b-boy, c'est celui qui assume quand il se fait défier, qui assume, on va dire, tout ce qui lui tombe et qui avance, vaille que vaille. Mais le vrai b-boy, c'est celui qui construit la scène du b-boying. Parce que pour moi, le b-boying, c'est pas qu'une danse, c'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Le vrai b-boy, c'est celui qui construit la scène française. Et il y a mille façons de le faire. Voilà. Moi, je suis un vrai b-boy parce que j'ai une mentalité, parce que quand je me fais défier, je me lève, j'ai 50 ans et je vais danser. Donc, on me doit le respect. Enfin, et surtout parce que je fais partie des gens qui ont construit la scène française, notamment avec Châtelet-Halle, La Défense,
Jeff Forrester avec La Serra, Superbad Chapter avec Stiga, King Jaïd et pas mal d'autres personnes. Le 104 avec François Gautret, Franklin Rouleau, Steady, et évidemment pour terminer, la Break League depuis 2013 qu'il y a aujourd'hui. Donc ils ne peuvent pas dire que j'ai rien fait pour la culture. Ils ne peuvent pas dire que je suis un touriste. Ils ne peuvent pas dire que parce que je suis prêtre que je ne suis pas une coupole, que je ne suis pas quelqu'un qu'on doit respecter. Non, on doit me respecter parce que mon activisme et ce que j'ai fait pour la culture hip-hop, ça a aidé mille fois plus de personnes que n'importe quel mec qui a dansé. Et tu sais très bien, toutes les générations, elles ont grandi sous mon micro ou elles ont grandi dans mes événements. Tous. La plupart, ils le savent très bien. Après, c'est pas, ça demande pas de la reconnaissance. Mais quand même, à un moment donné, il n'y a pas de mal à dire qu'en vérité, j'aimerais parler du break comme n'importe qui. Et je rappelle que n'importe qui, demain, peut faire un live sur la break league, sur le chill, sur tout. Les gens ont le droit de parler de ce qu'ils veulent. Après, on a le droit d'être en face et de dire, écoute, moi, je suis pas d'accord avec toi. Et là, on rentre dans un débat. Mais n'importe qui peut parler de ce qu'il en veut. Moi, je suis pas la censure du hip-hop. Le mot de la fin, je veux dire, c'est quoi le mot de la fin? C'est vous bercez pas d'illusions, allez à l'école, sortez avec des diplômes, construisez-vous dans la vie et surtout, soyez relatifs par rapport à votre niveau. Si vous êtes vraiment, vraiment doué, foncez dans la danse. Mais si vous êtes moyen, ou vous ne savez pas vraiment et que finalement, vous êtes des fois à l'entraînement à reculons, ou qu'en vérité, vous savez, vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le jeune premier, ce n'est pas vous qui aurez le premier rôle, peut-être, je vous parle comme un adulte, peut-être que travailler à côté et danser de façon récréative ou danser par passion, ben ça vous bercera moins d'illusions, vous serez moins aigri. Parce qu'il y en a qui attendent tellement, tellement après la culture hip-hop, mais ils ne se rendent pas compte que les années passant, je ne veux pas forcément le niveau qu'ils devraient avoir et que la nouvelle génération qui arrive, elle n'est pas là pour t'aider, elle est surtout pour prendre sa place, écrire son histoire et pas la tienne. Donc c'est pour ça que des fois, tu peux à un moment donné dire, ben, écoute, je danse, je kiffe, mais à côté de ça, ben, moi je vais être comptable, je vais être ici, je vais être là, et voilà. Parce que si tu mises tout sur la danse, bah, tu te retrouves comme avec cette période depuis 2 ans avec le Covid, où il y a plein de gens qui ne sont même pas terminés le spectacle, ils n'ont rien, et ils se retrouvent dans une panade comme ce n'est pas permis. Donc c'est bien aussi d'avoir un métier, d'avoir des compétences, de se former. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est là pour être l'évolution de nous-mêmes. On est là pour essayer de se dépasser. C'est ce que moi j'ai fait. Prof d'histoire, DJ, conférencier, j'ai écrit un livre, je ne suis pas un écrivain, mais j'ai quand même essayé. Je danse toujours. Enfin, tu vois, j'essaye de prouver en moi peut-être des compétences que je ne serais jamais imaginées. Mais je me dis, bon, s'il y arrive, je peux y arriver. Et si je n'y arrive pas, il y a des gens qui peuvent m'aider. Il n'y a pas de mal à aller voir quelqu'un et à dire, excuse-moi, si demain je vais apprendre la salsa, je te dirais, neuf, tu peux montrer 2-3 pas. Et après, j'irai m'entraîner. Je reviendrai 2 semaines après. Neuf, tu peux remonter encore 2 pas. Et au fur et à mesure, je vais évoluer. Et si neuf, il n'a pas le temps, je vais sur Facebook, enfin sur YouTube, et je regarde tuto. Et j'apprends et je regarde comme j'ai fait pour être DJ. Et aussi, grosse dédicace à DJ 100K, DJ Lumi, ils m'ont beaucoup aidé, et Steady Girl aussi, et Alpache. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, à n'importe quel âge, on peut se former. Moi, en histoire, je suis fort, je sais que je suis fort. Mais pourquoi je suis fort? Parce que j'ai passé des années à lire 1 milliard de livres, à compulser, à documenter, à archiver, à écrire, à un moment donné, à douter, à acheter. Dès qu'il y a un mec qui fait une conférence, Nuts, j'y vais, et je l'écoute, et je m'assois, et j'écoute ce qu'il dit. Et je me dis, et après je remets tout ce qu'il a dit dans le contexte et par rapport à mon puzzle de l'histoire, et je le remets dans mon puzzle, et je me dis, ce qu'il a dit, j'ai déjà entendu quelqu'un d'autre, ça peut se tenir. Et puis des fois, je me dis, non, ça j'y crois moins. Mais je vais écouter tout le monde. Dès qu'un mec il fait une conférence sur l'histoire, je vais tous les écouter, parce que ça m'intéresse. Parce que je ne suis pas à dire, je suis meilleur que les autres. Non, on apprend tous des autres. Mais encore faut-il pouvoir... se l'avouer, en fait. C'est ça. Je ne suis pas yes. Dit, mais net. On n'est pas venu me chercher pour être prof d'histoire par hasard. On est venu me chercher parce que j'ai beaucoup de choses qu'on fait qu'à un moment donné, on s'est dit, ah, c'est un mec qui s'y connaît en histoire, c'est bien lui. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent à un moment donné se distinguer dans l'histoire, eh ben, assumez, faites des lives, prenez le risque de raconter l'histoire. Et bien, par contre, je peux vous dire une chose, quand vous racontez l'histoire, vous ne savez jamais qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté de l'écran. Et bien, à un moment donné, il peut y avoir, est-ce que tu peux m'inviter? Et à partir de là, t'as intérêt à être bien accroché sur l'histoire parce que celui qui va venir te parler, il va pas venir pour venir t'aider. Moi, plein de fois, j'ai fait des débats avec des gens. Mais comme j'ai une grande, grande connaissance, c'est dur pour eux. Tu vois, je peux te donner des dates, tu me donnes n'importe quel truc, je te donne la date. La date, le nom, le mec, le lieu. Tu peux me poser n'importe quelle question, là, tout de suite, là, n'importe quoi, je te réponds en 2 secondes. Les gens, ils savent que je suis fort. Mais par contre, je me suis formé pour être fort. C'est ça. Rien qui tombe du ciel. T'as cherché, en fait. Non, mais t'as cherché, t'as travaillé. Parce que ça me passionne, moi, l'histoire. Ça me passionne. Et puis surtout, dès qu'il y a un livre d'histoire qui sort, je l'achète tout de suite. N'importe lequel.
n'importe, tu me sors n'importe quel livre, je suis sûr que je l'ai là-bas. J'achète tous les livres qui sont liés à l'histoire du hip-hop, et à chaque fois, eh ben, il y a tout le temps mon stylo, et j'écris, je mets sur mon cahier, et je mets. Ah non, ouais, tombé, on dirait. Mais parce que ça me passionne. C'est ça, c'est ça. Je peux passer des heures à parler avec quelqu'un, on va parler de 1950, 1960, 70, et je vais plus parler du passé avec eux que de l'avenir ou du futur. C'est ça le pire. Donc voilà, après, c'est quand vous vous passionnez pour quelque chose, à un moment donné, c'est normal qu'à un moment donné, vous ne soyez pas trop mauvais. Mais y a, oui. Les gens sont venus me chercher parce que je me suis distingué dans l'histoire. Maintenant, je n'ai rien de spécial, j'ai juste travaillé, je me suis formé, j'étais à fond. Et bien aujourd'hui, n'importe qui peut le faire. Après, il faut vouloir le faire. Que ça vous intéresse. Moi, c'est pas je lis un livre d'histoire sur la culture hip-hop, je le referme pour autre chose. Non. Quand je l'ouvre le livre, je m'imprègne, je rentre dans le livre, je vois un nom, je le connais pas. Je vais sur Google et cherche. Tu mets n'importe quel mec, n'importe quel nom, je te fais son pédigré tout de suite. Non. N'importe qui dans l'histoire hip-hop. Parce que tout m'intéresse. Tu vois, je suis à fond dedans. C'est tout. Après, il y a des mecs qui sont peut-être meilleurs que moi sur l'histoire du lock, meilleurs que moi sur l'histoire du hip-hop. Tu vois. Mais moi, je suis doué sur toute l'histoire du hip-hop. Mais sauf que ils sont spécialisés sur une danse. Par exemple, ce gars, il est fort sur l'histoire du Rocky. Ouais. Il y a Yash, tu vois, Nastias, super fort aussi. Wari, eux, c'est vraiment le rocking, tu vois. Si moi, demain, je veux des infos, c'est eux que je vais voir. Si demain, je veux des infos sur le lock, je vais voir Gemini, je vais voir Fokiji. Je sais qui aller voir, parce qu'ils se sont spécialisés sur une partie de l'histoire. Mais moi, ce que j'enseigne, c'est toute l'histoire. Si demain, je veux l'histoire du Sud, je vais voir la Wari, je vais voir Jawad. Raconte-moi comment si je veux l'histoire de Rennes, je vais voir Casper de Investi, je vais voir Salomon, je vais voir Angelo. Comment ça s'est passé à l'époque? Qu'est-ce qui est venu vous enseigner? Et au fur et à mesure que tu parles avec les gens, mais bien sûr que tu es fort. Eh oui, au bout d'un moment, puisque tu parles avec tout le monde et que chacun. Mais moi, je suis une éponge. Tu me parles, ça rentre dans ma tête et je le garde. C'est pour ça qu'en speaker, les gens me kiffent parce que j'ai une bonne mémoire. Je suis l'éléphant, éléphant humain, éléphant man. Je suis un humain, pas un éléphant. Avec sa neurofibromatose. La maladie qui est même. Mais bon, voilà, je suis un passionné, je suis comme toi. Et c'est bien ce que tu fais. C'est très merci bien ce que tu fais. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Mesdames...